Mon petit Palawan, je te propose de m'accompagner aujourd'hui dans une séance de boxe anglaise en temps réel. On va se faire plusieurs rounds sur un thème précis que je trouve très 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 intéressant. C'est le volume et en même temps, ça va nous aider à travailler le relâchement. Qu'est-ce que j'entends par volume? C'est des combinaisons assez longues où on va essayer d'aller submerger un peu son adversaire. Donc, ce n'est pas du 1, 2 ou 3 coups, mais vraiment une longue série de coups. Ça permet de travailler sa fluidité, son relâchement, et puis ça peut avoir bien sûr aussi son utilité en combat. Il y a des moments où on va travailler plus léger, pas chercher le coup dur, mais à désorganiser la défense de l'autre et le faire un petit peu paniquer pour créer des ouvertures qui vont devenir très intéressantes ensuite. Avant de commencer, quelques explications. On va faire 3 rounds de 3 minutes avec 30 secondes de repos. On ne va pas chercher à aller donc sur un rythme de fou et à mettre énormément d'impact dans ses coups. On va vraiment chercher la fluidité. Si tu t'es pas échauffé, tu peux commencer directement comme ça. Je te recommande quand même de faire un petit échauffement avant, un peu de shadow ou un premier round de sac très tranquille. Mais là, comme on va utiliser ma méthode avec le travail séquentiel de l'enchaînement, ça permet aussi de se mettre doucement dans le round et donc de ne pas commencer trop violemment. Pour arriver forcément à un enchaînement complexe avec un enchaînement long avec beaucoup de coups, on va prendre son temps. Donc cet enchaînement-là, on va le développer sur les 3 rounds. Mais tu vas voir qu'on va quand même faire pas mal de volume, même dès le premier round. Allez, je vais mettre mes gants, je lance le chrono et on s'y met. Allez, donc le premier coup qu'on va faire, ça va être un jab. On commence à se mettre en mouvement. J'attends le top départ de mon chrono. Allez, numéro 1, c'est le jab. Boum! Numéro 2, on ajoute le cross. Ah, ah. Numéro 3, je remets un jab. Oh, oh, pam. Numéro 4, je double mon jab, donc encore un jab. 4. Oh, 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 pam. Et numéro 5, j'ajoute mon cross. 5. Oh, pam, oh, oh, pam. Et on va le refaire une nouvelle fois. 5. Oh, pam, oh, oh, pam. Et je recommence. Si tu n'y arrives pas tout de suite, t'inquiète pas, ça va venir au fur et à mesure des répétitions. 1, le jab. 1. 2, le cross. 3, le jab. Pam, pam. Ça part du visage, ça revient au visage. 4, le cross, pardon. Non, le jab à nouveau, pardon. 4, le jab à nouveau, je ne savais plus où j'en étais. Et 5, le cross. 5, pam, pam, pam. Donc c'est jab, cross, jab, jab, cross. Et on refait. Pam, pam. Voilà. On double à chaque fois le dernier. On recommence. 1, le jab. On bouge un peu. 2, le cross. 3, on rajoute un jab. 4, on double son jab. Et 5, je termine en cross. Et on refait le 5. On bouge, on respire bien. Et 1, 2, 1. 3, 1, 4, 5, travail relâché. L'image mentale, c'est on lance ses coups plus qu'on pense à frapper. Et encore 5, et 1, le jab. Je lance. 2, je tombe pas sur mes frappes, ma tête n'avance pas. 3, pam. Je fais attention aux appels. Je baisse pas mon poing avant d'envoyer. J'avance pas ma tête non plus. 3, pam. 4, pam, pam. 5, pam, pam. Et 5, pam, pam. Respire bien. Et 1, pam. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, et 5, 1, et 1, et on récupère 30 secondes. Ok, donc on va ajouter, on a terminé par un cross, on va ajouter uppercut, crochet, cross.
qu'on va faire, c'est qu'on va prendre comme numéro 1, ce sera le 5 qu'on faisait. Donc dès le numéro 1, je fais mes 5 coups. Et je vais venir simplement rajouter mon uppercut au corps du bras avant sur le 2. Donc numéro 1, c'est l'ancien 5. Ok, donc numéro 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ok, numéro 2, je vais envoyer mon uppercut au corps. 2, 1, 1, 1, 1. Numéro 3, je remonte du même bras en crochet à la tête. 3, 1, 1, 1, 1. Travail léger, cherche pas la force. Et numéro 4, je mets mon cross. 4, 1, 1, 1, 1. Et je refais le 4. Et 1. J'ai voulu envoyer l'uppercut. 2. Voilà. 3, le crochet. 4. 4. Ouais, petit bug. Et on recommence. 1. Chaque fois, je vais envoyer l'uppercut au corps. 2. Protège bien de l'autre côté quand on envoie son uppercut. 3. 1. Et 4. Et 4. Et 1. Tombe pas sur ses frappes. On garde les coudes le long du corps. 2. Trois. Quatre. Quatre. Allez, on pense à lancer ses poings et de bien relâcher. Un. Deux. 3. 4. Je me suis foiré. Allez, on refait 4. Ok. On récupère. Ouh. Alors, on a terminé sur un cross. Donc là, on va venir ajouter showboating. Donc c'est des petits uppercuts. 1, 2, 3, 4 et 5. Le numéro 1, c'est le 4 du round précédent. Donc, je vais faire jab, cross, jab, jab, cross. Uppercut, crochet, cross. Ok. Numéro 2. Je vais venir ajouter 1, 2, 3, 4. J'envoie 4 petits uppercuts au corps en commençant par le bras avant. 2. Ok, 1, 2, 3, 4. Là, pa, pa, pa. Et numéro 5, et numéro 3, pardon. Je remonte en crochet à la tête. 3. Boum. Ok. Pas facile pour la coordination, je t'avais prévenu. On est sur des enchaînements longs. Allez, 1, 1, 1, 1, 2, je fais mes 4 uppercuts. 2, 1, 1, 1, 1, 1, et 3, je termine en crochet à la tête, bras avant. 3, 1, 1, 1, 1, 1, ouais, 1, 1, 1, 1, 1, ouh, ça bug. J'aime quand ça bug.
Ça challenge. Deux. Ah, 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 ah. Là, je peux venir coller ma tête hein, pendant les uppercuts. Trois. Ah, 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 ah. Et le crochet. Ouh. Encore. Un. Ah, 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 ah. Ouh. Allez, on lâche rien. Deux, les quatre uppercuts. Deux. Ah, ah. Ah, ah, ah. Tête qui vient se coller. Trois, le crochet avant. Ah, 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 ah. Un. Ah, ah, ah. Allez, deux. Ah, 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 ah. Trois. Ah, 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 ah. Ça façon Sugar Ray, Léonard. Bam, 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 bam. Un. Ah, ah, ah. Deux. Ah, 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 ah. Trois. Ah, 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 ah. Allez, on double le trois. Trois. Ah, 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 ah. Ouais. Un. Ah, ah, ah. Deux. Ah, ah, ah. Ouais. Et on fait le trois quand même. Allez. Ah, ah, ah. Hey. Et on récupère. Allez, on marche. On respire bien. On vide les poumons, on remplit. Bon, et bah écoute, c'est le genre de petite séance courte, mais qui peut vite s'avérer intense, challengeante sur le plan physique et sur le plan technique. Bon, bah écoute, mon petit Padawan, j'ai bien transpiré en peu de temps. Donc c'est cool parce que ça te montre que tu n'as pas besoin de faire des entraînements à rallonge qui n'en finissent pas et dont tu vas parfois te servir comme excuse en disant « j'ai pas le temps ». Là, tu fais un entraînement, ça te prend allez, 15 minutes avec l'échauffement et tu as travaillé ton cardio, tu as travaillé ta technique, tu as travaillé ta coordination. Que demande le peuple, j'ai envie de te dire. Donc voilà, j'espère que bah, c'est le genre de format qui te plaît aussi. Ça vient en complément avec toutes les autres séances que j'ai déjà mis en ligne, que tu peux retrouver sur ma chaîne. Les entraînements en temps réel, c'est vraiment ce que j'essaie de faire le plus souvent, le plus possible maintenant. C'est ce que je fais dans mes programmes et les gens, ils adorent ça parce que ça a un côté motivant. Alors bien sûr, dans mon programme, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé, plein de détails techniques et tout ça en plus. Mais tu as un peu un aperçu de ce que ça peut donner et surtout bah, la différence aussi, bien sûr, avec les programmes. Hein, désolé, je te vends un peu mon truc, mais c'est comme ça. C'est que tu as une programmation. Qui dit programme, dit programmation. Donc, il y a une suite logique entre une séance puis la suivante qui va t'amener un résultat qui sera bien meilleur puisque ça te fait progresser de séance en séance avec une vraie logique derrière. Là où sur YouTube, écoute, tu vas pouvoir aller piocher dans une séance par-ci, une séance par-là, mais il n'y a pas vraiment de lien entre ces différentes séances. Si tu as aimé, écoute, laisse-moi un commentaire pour me le dire. Je lis tous les commentaires. Si tu as des suggestions aussi, commentaires, pareil, comme ça, moi, ça m'aide à avoir des inspirations, des idées pour mes prochaines vidéos, mais qui vont surtout t'aider, toi, à avancer dans ta pratique. C'est ça le but de mes vidéos. Donc, plus tu me dis ce qui peut t'aider, et mieux je pourrais y répondre. Si tu n'es pas abonné, mais abonne-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Mets le petit like aussi, ça fait du bien pour l'algorithme. Le commentaire, ça fait du bien aussi pour l'algorithme, et ça aide la vidéo, ça aide la chaîne, et du coup, ça m'aide moi. Et c'est hyper sympa. C'est un super moyen de me remercier si tu apprécies ce que je fais. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.